Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis encore très heureux une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro où nous allons poursuivre le sujet que nous avions commencé hier, celui de parler de l'état de siège actuellement où chaque jour qui ne passe, nous ne cessons d'enregistrer des morts. Et c'est de la désolation à l'est de la République démocratique du Congo, là où a été décrété l'état de siège. Bandeko, en tout cas, hier encore, il y avait, hier entre la nuit de dimanche à lundi, donc nous avions enregistré 14 morts. Et donc tout ça, tous ces morts-là sont répertoriés, ne vous en faites pas. On est en train de... Même les noms, on écrit les noms et il y a déjà une affaire à peu près de 6 millions et quelques déjà à partir de tout ce que nous comptons. Et nous pensons que le moment viendra, nous allons commencer à publier les noms de ces gens-là parce que la situation ne cesse que de s'empirer. Donc on ne peut pas... On n'a pas encore vu la fin de ce massacre. La fin de cette situation à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous nous taisons parfois de dire ce que nous devrons faire. Parce que nous devrons publier tout ça lorsque la paix reviendra. Et nous osons croire, nous prions à ce que le Congolais finalement puisse prendre la décision d'arrêter tout ce qui se passe là à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, donc nous allons parler de l'état de siège, nous allons parler des belligérants. Qui sont ces gens qui sont en train de tirer le ficelle là-bas? En tout cas, il n'y a pas de révélation que je vais vous donner ici. Je dois être sincère avec vous. Mais je ne fais pas ici parler des choses que je ne connais pas. Bien sûr, je connais, j'ai des témoignages ici, mes chers amis. Situation à Est, Tunaïdjoua, très bien. Non, vous parlez, vous êtes à l'extérieur, vous parlez. Chaque jour, même avant que les informations qui sortent dans le média, dans les réseaux sociaux, nous les recevons déjà par téléphone et par parfois nos canaux, donc à Batouo, sur terrain. Et même des opérations avec qui va se préparer dans le camp des belligérants, des SEC, des CODECO, des AFD, des ADF, tout ça. Nous connaissons ça déjà bien d'avant. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui nous informent sont au sein même de FARDC. Donc, on va parler de l'état des lieux et de FARDC aujourd'hui. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par Élections.net. Nord Kivu, éruption du volcan Nyiragongo. Voici la somme d'argent remise par l'UIA en soutien aux victimes. Et puis Jacob Zuma en Afrique du Sud. Voici les raisons de la liberté conditionnelle accordée à Jacob Zuma. On va sur actualité.cd. Binti en air. Les autorités doivent avoir les considérations pour la population de Borabaha d'Imester. Et puis, des nouveaux massacres en Ituri. Les ADF accusés. Attaque samedi en Ituri. 30 morts. On va sur Congo profond. Élu mondial 2022. Maintenant, DRC, RDC, ça passe ou ça casse pour les léopards ce lundi à Cotonou. Et puis les coordonnateurs Tommy Kouamboué, reçus par Sama Lukonde pour le déploiement d'Ionne du programme IDRCS. On va sur cette structure. Ituri, des violences affrontées depuis la matinée d'aujourd'hui entre l'armée et les miliciens CODECO. Et puis Kasaï Oriental, grogne à la MIBA, les agents réclament 15 millions de dollars promis par le chef de l'État pour les relancer la société. On va terminer par Radio Okapi. Kinshasa, des organisations lancent la consultation sur la taxe RAM. Et puis, aujourd'hui, en RDC, ouverture ce lundi à Lubumbashi, les États généraux de l'ESU, enseignement supérieur universitaire. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir.
Voilà, mesdames et messieurs, le grand problème qui se passe pour l'instant, c'est que Kinshasa, maintenant, se retrouve au coin du ring. Et la situation ressemble pratiquement à celle que Kabila avait laissée. À un certain moment, Kabila peut... Nous ne pouvons pas dire ça, nous ne pouvons pas dire le contraire. Mais il se retrouve dans un engrenage où parfois même il ne contrôle pas ça. Azo contrôler en côté. Pourquoi? Parce que le pouvoir, pouvoir. C'est ça justement. C'est parce que le pouvoir est concentré à Kinshasa. Moutou orazan a tête à pays na biso. Biso nyoso tout ba problème nyoso. On pense que le président de la République yende mutu akoya kozwa mando ki po aboma batuana. Ne lo kweza ko boma Congo yango wana bandeko. To luke lango sika msusu te. Le président de la République, regardez même son discours, regardez même son attitude naye vis-à-vis à problème à Est. Toko siri sa makamwana, nous allons envoyer le militaire. Combien de fois on a envoyé le militaire et cette histoire n'a pas terminé. Et il n'a pas compris ça. Pour qu'il puisse comprendre ça, il faut que Batoupe, oya pembeni pembeni naye, baye bis dynamique moko akoloba ke non. Nzela otozo ke nezanzela mabe. Mais tango ke batunyo soto baza pembeni naye, tout le monde en profite. Batunyo soto baza ko kangami so balobi te président. Yo lukaka kambongo, ezaka kambongo ka mtu ezangi, mbongo ka materiel ene mtu ezangi, o ba Amerikain, foko kende kolabore na ba Rise, foko kende kosalaboye. Tozo kende ako luke la kaba solution musika. Pourtant, les solutions sont avec nous. Biso no so toza na ba solution wana awa na maboko na biso. Mais to lingi, toza na confiance na ba solution na biso te. Pourquoi je dis ça? Nous avions appelé le président à l'est de la République démocratique du Congo. La population, là, de Batou Bazako Sibir, ba massacre, wana. Nous avions demandé à ce que le président Yaka, Tovanda, To Solola. Mais ceux qui sont été à côté de lui, Babani Koebise Kokendekutu STT, Babangi sa président de façon que il n'a pas pu toucher la solution réelle. Mais tant que la mouka, Ayoki Batou, à se retrouver qu'il ne peut pas prendre des décisions seul. Courage, on est qu'on s'alate parce qu'on s'est retrouvé à l'émission à l'obité pour que la solution soit salée. Voici ABCD à suivre. Mais tant qu'on s'est dans la Babylon, on a battu à l'émission, on a dit qu'on a trois ans, mais on a quand même sorti le président Kokendekuna. Au moins, ils sont qu'on s'aligne, on a moqué Kokabwana, bateau bakoza la boe, bateau bakoza. On lui donne des raisons qui ne sont pas valables. Comme lui-même, il est moqué président de la République, Azana Bomo, Azana na solution te, Akobanga, Akoloba, ah, tika kana yo ke la batu o, tika kana yo ke la ba américain, na kende kozoa ba américain, ne mtu bakwa kosi li sababiloko, bandeko. Est-ce que l'expérience vraiment est Afghanistan, koke kosa la renseigner bisoté. Est-ce que expérience au ça que les Kananani na Guinée ko ko pesa biso le santé. Boyoka ki bino moko président ndenga zongi mbala kata a kati voa ba voyage na zongi likambo a Guinée ça ka pepete eza na kati pe. Donc finalement nous sommes devant une situation où solution et ango et photo sala. Moutoua a quoi appliquer solution en azako banga l'obité. Ceux qui n'ont appliqué solution au bakoya kobomangaï. Pourquoi? Parce que Ngana zana maîtrise et armée te. Ngana zana zana zaza boete. Nga pouvoir nangaï na parlement et zana nou boete. Oh, ngaï ba nazana ba opposer belé. Ça ne peut pas s'appliquer dans cette ossature, na structure auto zana ango. Président de la République, tikana nous koluka kamakambo ambongo. Mettons-nous d'accord, to vanana nous to solola, to tikana nous makambo ambongo à côté, to solola nous idéologie nini oye kokiko bimisa Congo na mboka na ba marasme oyo.
il faut tout tâter le problème ni nango toza nango. Oh, ça va causer babilo ko nyoso. Nous devons chercher la solution. Solution ko uta kana potote. Solution ko banda kozala na ba voyage belé belé té. Bandeko, à quoi nous sert poste wana ya yanani ya 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 soki ya soki nani ya nani Union africaine. Ça nous sert à quoi pendant que nous ne sommes pas stables. Mboka na biso eza stable té. Okubanda ko yakutika ka mboka na okaka bolobio okende ko résoudre ba problème susu okende ko luka. Ozana ba solution mo côté na mboka na yo. Au moment où nous sommes en train de nous battre, baboué, oh, batouaza koyoka na te guerre ze pa na biso oza kotika mboka ozo kende nanu. O tu t'occupes d'autre chose. Que eloko moko akovanda lobi te bande ko tofanda nanu ata pendant une semaine oyo réfléchissons d'abord comment est-ce que to solo la nanu to eza makambo a consultation te eza ki kovandisa bato lobi to luka nanu solution to mitika nanu to tika nanu ba couleur politique na biso mboka na biso ilikamu nini au moins tant que tu l'as consultation, le président est en train de consulter, on les trompe, parce qu'on s'appelle du sous-sous. Parce que dans la forme, on a la consultation, on a vérité, mon anakate. On est en train de vous charger, vous êtes là, c'est comme si c'est toi qui as toute la solution. On vous a dit que vous avez besoin de pèse à nyonso na mutuna yo en vous faisant croire que c'est toi qui es la solution du problème du Congo. Moi, je crois que le président de la République, il faut ami longola nanu, ami longola, parce que yé moko akokokelo koyote. La façon dont tout ce qui l'entoure, na système otoza na kati nango, eza ko pousser à koloba na yeke non, président yonde mokonzi, yonde chef na biso, yonde osokosala boy, yonde okozwa décision boy, yonde okokata makambu boy, yonde okosala. Tout est concentré dans le main du président de la République. C'est là où est le problème. Problème est en Gowana. Bande qu'on a bamboka otozali. Bande à président de la République ezali. À part bande wana soko l'équipe eza na nana ni na été ako tala kutu kunate. Mais okoyoke pa na biso. Mutwa sala boy ono tozoli ngaka président la biso ya kota la biso ba konzina biso ba ya kota la biso les congolais ont to résigné donc to zala kalisusu na idée wana te ke non biso moko to ko bongisa mboka na biso te même pour construire un pont il faut demander les chinois de venir boza ko mona biloko wana eza ko uta wapi biso moko nde toza ko créer yango. Yonde oza président de la République, yonde oza kosala boye, yonde oko négocier, yonde oko sala. Parfois on oublie même que la constitution eza na ba limite nango pour na président de la République. Mais dans la praticabilité des choses, président de akosala et puis il est busy. Oyoka kata baba na vidéo o ele ki na semaine passée awa. Batwaza ko le président to mona ya lobi te banda tongo boyo kelanga ma. Non, on a fait croire au président que le président c'est l'homme à tout faire. Yende muto akozwa décision na makambu nyonso tout. Yende aza garant. Et c'est là le problème. Le président est le garant selon notre constitution. Donc, il faut attendre makambu mboka, il faut ça là. Aza la odesia batu bakangi mutu boye tobenga président de la République. Basali boye tobenga président de la République. Il y a des choses que nous devons à nous mettre d'accord à kolobate tozo kende mabe mutu moko te akoki ko bongisa mboka oyo makambo eza na minembo eza kaka président te mutu akosala imagine toi na lobela kibino bandoko akokutnani pour nommer les administrateurs de territoire il faut le président de la République et pour président de la République a nommer ba administrateur de territoire. Et ça, c'est un critère, mon côté, et ça suivi, c'est que non, bah, tu bako sala, bako senga, msala wana, ou bien, donc, et ça, c'est un arbitraire dans mon cannabis. Ce Congo est dirigé dans l'arbitraire, donc, arbitraire, et ça, c'est président, bah, ministre, oh bon, on fait les partis politiques, bah, partis politiques, mallette, tout ça.
Alors, émission Oyonga na kanisa ki na kosa la suite. Na yeba ki kena kosa la suite. Yeloko tolbande ko loba na est. Pourquoi? Parce que na loba ki boy bandeko. Solution ya est, eza militaire te. Et on a déjà fait croire ça. On a déjà parlé de ça. Même mon isko yebi ke solution ya est eza nani. Eza militaire te. Pourquoi ça militaire te? Parce que non faire de ces ba koki ko silisa ba biloko eza kuna te. Pourquoi? Parce que ce sont eux-mêmes qui sont les attiseurs du feu. Bangone mutu baza ko pelisa moto kuna. Les loba tuana na faire de ces ba koki ko loba ke tokaboli Congo Congo ngo ko kabwana. Ba tuana nde mutu ba yebani. Ba tu oh tangu boza ko mona vidéo ya Alain Foka. Oh, batu moko na kote kuna, eza na ba parti moko, RDC et contrôle la kate. Eza na ba parti e belé. Même à l'Équateur, place Babois Rouge et Bimaka. Équateur, peza na ba kote msusu, kuna gouvernement za la kate. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Soda o soda zalakate, mais eloko mo kanga na linga Congo ba place nyoso tout okoyoka groupement tel village tel ba tunyoso, nous connaissons tout ça et eza cartographié biloko wana nyoso ezali c'est ça ne esengo na ngana tala kanobi. Un jour le Congo se relèvera, le jour où nous reconnaîtrons le pouvoir à la base ya koloba ke non toko fabriquer base te base ezali nango. Okoyoka ba chef de village ba yebani. Ba chef de groupement ba yebani. Mais misozo nyo se kota kuna po nanini. Parce que okoyoka la politique ya ba influence. Donc ya mutumo kwa kokende Kinshasa. Na ministère ya intérieur. Ake kuna azui. Akopere na ministre ba pesi lettre. Ou akomi administrateur ya territoire tel. Ou bien akomi même chef de groupement. Et c'est ça le problème qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Et ça n'a pas à voir. Chef coutumier Moussousou, qui sont venus avec des lettres du gouvernement. Or, et ça, les Makabongote. Alors, Babilou, quand on a eu ça, on a eu la confusion. Tout le monde a affecté, par exemple, Toloba, l'armée n'a pas eu ça. Pour ne pas dire que l'armée est aussi là, c'est que Babilou, quand on a eu. Nous ne sommes pas capables de savoir ba numéro matricule ya ba tuya ya far de ce o baza affecté na Nord Kivu na Sud Kivu. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui si on pose la question à ta même na chef d'état major balobi toza na ba tu combien na Nord Kivu et leur numéro matricule eza passe pour ba ebiso que non toza na 7000 ou bien toza na 20000 hommes. Tout ça c'est fictif. Bilo kwa na nyo feza fictif donc eyebanite. Bon, so ke eyebanite, si ko tokolonga bitumbango ndenge nini. Et ça, on ne veut pas entendre ça. Tokoyeba tokolonga bitumbango neni. Les gens qui sont sur terrain, ba imite wana eza sur terrain. Nzambe ka mutu ayebi ba komanda na bango. Na batu oyo, na tous ceux qui sont au nord qui vous toko na koyebi sabinoke. La plupart des commandants yaba soki ya ba régiment, soki ya ba bataillon kuna soki banani. La plupart
ezaba tuanga monsusu. Et vous ne vous entendez pas. Toyebite, yebanite, c'est comme ça que nous disons que elokwana affaire de senabiso ekoki kolonga bitumba oyo atamukete. Faire de senabiso ekoki kolonga bitumba wana te. Ce n'est pas que nous sommes pessimistes, mais non, les données sont là. Bakolonga ngoneni. Mbongo ezalaka détourné. On ne sait pas les tenues sont vont chez qui. Toyebite. Il y a un président de la République à l'objet qui n'a pas été armé à la mafia. Mais on ne cesse de se dire que la mafia est aussi la dernière. Le président ne sait pas comment il va terminer la mafia. C'est pour cela que il s'est tué. Article Likaka, au état de siège à la Rakuna. Pourquoi? Parce que les FARDC n'ont pas d'autre solution. Pas la solution T. Ils vont continuer à faire ça. Pourquoi? Parce que batoua baza ko tirer ma ficelle, baza nanu en contrôle. Y a biloko nyonso kote kuna. Ils sont tout en contrôle. Biloko nyonso bazo sala kuna bango ba yebi yango. Ils se construisent des visas, des villas, makambo ori zako kende. Comment un état de siège peut être déclaré sans fermeture des frontières? Est-ce qu'on ne peut pas se poser cette question? Batubaza ko circule état de musico faire des sangs ko sala musala deni. Nos services sont infiltrés, bas services ont renseignement tout ça pas organisé et tout ça la MONUSCO c'est MONUSCO yebi MONUSCO na jua nini faire des sangs aiwezi maliza ile mizuzu yote. Mais la MONUSCO ne peut pas ouvrir sa bouche. Parce que ce qui va ouvrir la bouche, la population a demandé que la MONUSCO soit parte. La solution n'a pas été ali. Et c'est encore valable jusqu'aujourd'hui. Le peuple a dit pour terminer, parce que je ne veux pas encore aller plus loin, pour vous rappeler la solution du peuple. Donc, à court terme, n'a pas solution à long terme pour que la paix revienne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Toza na niveau mi balé, ba solution o toza kopé sa ao. Solution à Liboso, nous avions demandé à ce qu'il faudrait cantonnement à la FARDC, création d'une police de proximité composée par les enfants même, ba to ba zalaka na ba village, ba to ba zana na ba nani, na ba ville, Butembo, Beni, tout ça. Ba garçon bazali ba okio kenge la mboka. Pendant que les FARDC seront cantonnés et identifiés et puis sélectionnés bazonga soki ba kotinda bango na ouest soki ba kosala ba kochanger bango ndenge wana. Pendant ce temps-là, on crée une police de proximité. Pendant ce temps-là, nous déclarons les états de lieu. État de lieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les notables, tous les députés il y a un territoire où on a nyoso. Chaque territoire, on a quatre provinces en Nord Kivu. Chaque territoire, état de lieu à ma territoire na bango. État de lieu à ma territoire où on a kozalande yeni. Se mettre d'accord comment est-ce qu'ils vont s'identifier. Kosadministrer nengeni. Quelles sont les richesses que leur territoire regorge? Bah chefferie et identifier les problèmes qui sont en train de traverser bah ils sont mouillés ou ma baraza il est tout à état de lieu à Mouzouri et tout comme tout à sema il faut effaniquer mouma territoire il n'a pas bah couple bah notable bah administrateur de territoire bah chef de groupement bah koutanane mou koutan à kousema moukou et tuikale tout à foutre à mani. Ce n'est pas que quelqu'un va quitter Kinshasa pour venir vous dire que non, les militaires vont faire la conférence de paix. Non! Et que ça, les maté bongo. Ça ne se fera pas de cette manière-là. Manière où on est que ça, que non, c'est comme si c'est vous qui avez la solution et que vous cherchez à implémenter une solution. Non! Et ça, c'est un bongo, c'est un notable à côté Kuna. Il y a des tribus qui vendent des kuna balobite. Biso toza ba nyanga, ou bien biso toza ba tembo, biso toza ba nande. Ba nande, biso nyozo tout toza la territoire à Beni.
Ok, banando bazala kapena territoire soko ya Rutshuru ya nani ya koto ya Nord Kivu, koto ya Walikale, to vanda koto yo, to vanda ensemble, to yeba awa na Walikale, banani bazalaka bo. Tout ça, pona koluka nini, to yeba, to maîtrise, nini ya ngoza kosane. Tango toko yeba, effectivement, eloko nini ya ngoto zo bunda, pourquoi est-ce que ba situation boeza kole kaboe, ba influence kenda Kinshasa, ba Kinshasa ne mtu basala kaboe, ba biloko wana nyo sotu, eko sale malisusu na Kinshasa te, voici nous avons ce pouvoir de décider sur, par exemple, ba commerçant awa oto yebi ba kosala boe, voici ce qui nous fera, rapport wana bison de Kinshasa foes elanda, makangu na biso awa nenge to salie, to tye yango. Comme ça, ma biloko wana na base tango toko zurekolte ango, to memi ango na province, to lobi biso awa, na territoire wali, ya nani ya sud Kivu ya ba, Walikale par exemple, to moni boye to zalaka otan, to zalaka na ba tribi otan, ba richesse na biso zalaka boye, to yokani, ke mutu oya kobanda ko yako exploite na mboka na biso, voici kitambulisho nyata pata njoyi, tout ce qui va faire, c'est, nous devons arriver à ce niveau là, à ce moment là, Babilo konyoso eza na province, eza na tenda nani na gouvernement central, ekolanda seke la base di. Mutu oto kotinda kuna akokende na message, na vision ya base. Eloko wana soke sale mite na zomo na tende enini, mboka na biso towe wako bimana na marasme oyo. Bandeko, na kosarete isi aujourd'hui, delo donk na kosili sela awa, je crois que demain, comment est-ce que nous pourrons organiser ces états de liens na kobenga batu toko sale mandenge ni na ndenge ya bien pour que kimia ezonga ekota na Congo bande ko tozana besoin ba balabala te tozana besoin ko lia te so ki kimia ezalite toko ki ko tonga mboka oyo te sans que kimia. Je crois que même dans les armoiries de notre de pays nous disons paix, justice et travail. Justice est koya kate sans que paix zala. Mais pour avoir cette paix, il faut que les gens se mettent. Pour que paix wana to consolider paix, il faut que tu vas faire bon, ok, ton dimeli awa. En plus de cela, tu crées si ko justice. Et puis à partir de la justice, nous to kokende, misale ko uta wapi. Bilo kwa na nyonso, so ki paix zali, ba investisseur bango moko bakoya. D'ailleurs, nous n'en avons pas besoin, nous ferons même nous-mêmes, nous serons nous-mêmes des investisseurs parce que tout ce qu'on crée ma richesse na biso. Voilà mes chers amis, je m'arrête ici. Vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui sont encore en train de s'abonner. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Et si vous êtes là pour la première fois, si ça vous a plu, laissez un petit message en bas de la vidéo ici, ou soit vous me faites un mail, ou bien vous m'appelez. Comme ça, nous pouvons discuter même au téléphone, et vos points de vue comptent vraiment beaucoup pour que tu orientes la discussion, le point de vue, merci beaucoup, on se revoit demain dans la suite de cette émission. Au revoir, passez bien, et une bonne journée. Thank you.